demoiselle qu'il affectionne, c'est la goutte d'eau. Merci beaucoup, Henri. Donc, très heureux de vous retrouver, comme chaque année, ici à Toulouse. Donc, comme il l'a dit Jean-Yves, il y en a qui me connaissent. Donc, je suis scientifique. Vous avez toutes mes coordonnées ici. Je suis chimiste. On me demande de jouer le rôle de physicien. Ça tombe pas trop mal, parce qu'entre physique et chimie, ça va. On se parle encore assez bien. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un point de vue scientifique de phénomènes liés à l'eau. Donc c'est la 7e édition des Journées qui vous aiment, on a parlé de beaucoup de choses jusqu'à présent. Et Jean-Yves m'a fait remarquer qu'il y a une image qu'on voyait tout le temps associée à l'eau, c'est cette image que vous voyez défiler en permanence de la goutte qui tombe. Et il m'a dit, ben, ce serait bien qu'on discute un peu de cette image de la goutte d'eau qui tombe, qu'est-ce que la science peut en dire, sachant que déjà les artistes, eux l'utilisent. Tous les montages que vous voyez passer là sont faits par des artistes, pas par des scientifiques. Il y a qui prennent des photos, des caméras haute vitesse pour piéger l'eau dans ces moments fugaces. Et, comme toujours, on va essayer de comprendre ça sur un point de vue scientifique. Et le point de vue scientifique, ça veut dire une petite rigueur. Et cette rigueur, bon, comme toujours, on va essayer de la faire de façon minimale, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être un expert pour comprendre ce que je vais dire, du moins je l'espère. C'est normalement prévu pour être à votre niveau, c'est-à-dire qu'on va vraiment parler de choses relativement simples, même si ce sont des choses, vous verrez, très fondamentales, si vous allez ensuite discuter avec des scientifiques un petit peu plus, disons, impliqués dans la chose. Alors avant de commencer, je voudrais signaler aussi qu'il existe un documentaire qui s'appelle « L'eau, la médiatrice ». Vous avez Rodolphe Forger qui est ici, qui est en train de nous filmer. Bonjour Rodolphe. Il est venu dans mon bureau, on a passé quelques heures, on a parlé de science, d'eau, et ça a donné un DVD, 1h30. Donc si la conférence vous plaît, si ma façon de voir les choses vous plaît, ben vous pouvez acheter ce DVD, il est ici. Vous pouvez vous le procurer donc auprès de Rodolphe Forger et Loïc Salé qui ont un stand. Et là vous allez pendant 1h30 écouter, parler de la science en général et de l'eau en particulier. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, suite aux conférences toulousaines de l'eau, moi je publie beaucoup en anglais, dans des revues scientifiques qu'on appelle internationales. Et évidemment, ce n'est pas une littérature à laquelle vous avez accès. Donc souvent, la conférence vous plaît, mais so what? Vous n'avez aucun support. Donc là, au moins, vous avez quelque chose qui peut vous aider. Donc on va démarrer. Donc ici, je vous fais passer quelques images pour vous montrer un petit peu qu'on peut aborder le problème de la goutte d'eau. Pas du tout de point de vue scientifique, simplement en regardant de belles images. Comment on peut rencontrer une goutte d'eau? Ben, vous en avez sûrement tous vu une. Moi, l'image que je préfère, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on a tous l'habitude, quand on veut prendre de l'eau, de prendre un récipient. En fait, l'eau en elle-même n'a pas besoin d'un récipient. Si vous regardez cette fourmi, elle est en train de s'hydrater, de boire comme vous, et comme vous constatez, il n'y a pas de verre. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la fourmi, la goutte existe en tant que goutte, elle a sa cohésion propre, et elle résiste à cette force que vous connaissez tous, qui est la gravité. Et là, elle ne s'effondre pas sur elle-même. Donc, tout de suite, ça c'est un petit peu l'optique de la conférence. On va beaucoup parler d'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est quelque chose que tout le monde parle, mais finalement, qu'est-ce que la science peut en dire? Et pour vous faciliter la tâche, vous voyez, j'ai fait un effort. Vous avez trouvé normalement dans votre documentation quelque chose qui vous résume ce que vous trouvez dans 4000 pages de physique. Tout est là. Et c'est, vous voyez, c'est pas trop compliqué, il y a des couleurs, il y a des flèches. Donc si un jour vous avez un problème avec l'énergie, vous faites référence à cette figure et tout y est. Donc je vous en fais cadeau. J'ai mis une journée à faire ça, mais bon. Il faut quand même que vous sachiez que les professeurs d'université comme moi sont payés sur vos impôts. Donc il est normal aussi que vous récupériez, via les impôts que vous payez, un petit peu d'informations scientifiques et fermées. Donc je vous invite à ce jeu de l'énergie et l'eau, et ça tombe très bien parce que, d'après Jean-Yves, c'est le fil rouge de ces journées, l'eau et l'énergie. Donc je reviens à ma fourmi, vous voyez, elle est toute contente. Tout de suite, si vous pensez à un terme d'énergie, il y a la gravitation qui devrait faire que la goutte devrait s'étaler.
Qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'éclate pas? Mais c'est qu'il y a une force qui l'empêche de s'éclater. Quelle est cette force? Bien, cette force, on la connaît bien. C'est une des forces que on va étudier, ou d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie interfaciale. C'est-à-dire que vous voyez, il y a la goutte qui est liquide, elle est entourée d'air, et cette situation provoque un déséquilibre énergétique. Et ce déséquilibre énergétique est en faveur de la goutte. Ici, on fait référence, en fait, à la cohésion des liquides. Ça, ce sont des choses qui dérivent de la mécanique quantique, qui nous apprend comment les atomes s'attirent entre eux. Et là, vous avez une image très claire du fait que les atomes s'attirent plus dans la goutte qu'ils sont tirés vers le bas par la gravité. C'est le qui gagne. C'est la mécanique quantique qui gagne. Et ce n'est pas la gravité. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de récipient. La goutte peut tenir toute seule. Alors, il y a ce qui se passe, c'est que si vous augmentez le volume de la goutte, là, c'est la gravité qui va l'emporter, parce que la gravité est proportionnelle à la masse. Et là, à ce moment-là, la chimie ne pourra plus arrêter la chose. Voilà donc cette chose, on peut aussi le mettre en évidence si vous êtes un petit peu curieux. Si vous allez sur certaines mares, avec mon ami Yann Olivo, on a fait ça dans un parc de Rennes. Non, c'était plutôt à Auray, en Bretagne, on peut regarder les guérisses. Ce sont des petites bestioles qui obéissent à ce qu'on appelle l'effet Jésus. Vous connaissez l'effet Jésus? On est à l'Institut catholique. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a marché sur l'eau. Comment il l'a fait? Eh bien, il a fait comme le guérisse. Le guérisse, c'est marcher sur l'eau, il suffit de le regarder. Alors, quel est le truc du guérisse? Parce qu'il y a un truc. Là, c'est de faire de l'énergie interfaciale pour lutter contre la gravité. Et vous voyez l'idée? Si vous regardez ici la patte de Guéris, vous voyez, en fait, c'est une patte qui est très poilue. Et c'est grâce à ses poils qu'il arrive à marcher sur l'eau sans problème. Donc, maintenant, il n'y a plus de mystère. Vous connaissez comment Jésus a marché sur l'eau. Il avait les pieds très poilus. Tout simplement. Alors, si les guéris, ça ne vous embête pas, il y a une manip simple, vous voyez, vous prenez des fils de fer, vous mettez sous cette forme-là, et vous essayez de déposer une épingle sur l'eau. Vous avez une loi qui s'appelle la loi d'Archimède, qui dit que tout corps plus dense que l'eau doit couler. Alors vous voyez que l'aiguille étant plus dense que le liquide, devrait couler, or elle ne coule pas, elle flotte. De nouveau, il y a la force interfaciale qui est là pour vous contrecarrer la gravité. Alors, cette force, on a, vous dit, elle s'appelle énergie interfaciale. Elle a une unité qui est le joule par mètre carré. Donc c'est une énergie par unité de surface. Et comme on va le voir, si vous regardez dans le petit schéma qui est ici, elle appartient à ce que j'appelle le pôle énergie chimique. C'est les forces quantiques de cohésion de la matière qui sont responsables de cette énergie interfaciale. Alors, c'est cette force qui explique, par exemple, pourquoi les couteaux sont sphériques. Est-ce que vous avez déjà vu des couteaux icosaédriques? Non, dès que vous faites tomber une goutte, elle prend la forme d'une sphère. Pourquoi? Parce que il y a cette énergie, vous voyez, qui est là, c'est la figure qui est ici. Alors, j'ai oublié mon pointeur, je suis désolé. Ça va être un peu difficile. J'arriverai pas. Enfin, c'est la figure où vous voyez les petites flèches bleues. Vous voyez, quand vous êtes dans le liquide, ça tire dans tous les côtés. Il n'y a pas de force résultante. Dès que vous passez à l'interface liquide-air, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a plus que du moulon bas. Ce qui fait que la molécule qui est juste à la surface est tirée vers l'intérieur par le liquide. Et c'est ça. Ah, merci Hervé. Vous voyez, si vous faites la somme de toutes ces flèches bleues, la résultante tire la molécule vers l'intérieur. C'est cette peau que vous voyez quand vous regardez la forme sphérique de la goutte. Et cette énergie, elle est toujours positive, et c'est pour ça que si vous regardez, on parle d'un tétraèdre, un cube, un octaèdre, un dodécaèdre, un icosaèdre, ceux qui me connaissent savent aussi, je fais beaucoup de philosophie, donc là c'est la tranche platonicienne, vous voyez que tous ces objets ont beaucoup plus de surface que la sphère. S'il y a beaucoup plus de surface que la sphère, ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher à fabriquer. Donc la nature est économe, elle choisit les sphères, parce que c'est, pour un volume donné, ce sont les formes qui donnent les volumes, les surfaces linéaires. Alors vous avez un chiffre qui caractérise chaque liquide. Ici, je vous en ai donné juste 4, enfin 3, pour les plus... On a un peu la fourchette. L'huile, c'est-à-dire la graisse, est à 20 millijoules par mètre carré. Donc ça, c'est la goutte de graisse que vous essayez de faire partir quand vous faites la lessive. Vous luttez contre 20 millijoules par mètre carré. L'eau est à 72 millijoules, vous voyez, beaucoup plus fort.
Et la substance liquide la plus forte en collision par ces forces quantiques, c'est le mercure à 480 millijoules par mètre carré. Alors, on en vient donc à la feuille que je vous ai distribuée. Vous voyez pourquoi ? Parce que si vous avez dû noter ça, ça aurait été très difficile. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est plus une illustration que quelque chose que vous allez, on va toujours faire référence. Donc vous voyez, j'ai mis des couleurs. Et puis comme je suis à Toulouse, j'ai rajouté ça. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens parlent de ça. Et l'énergie du vide existe en physique, une énergie qui est parfaitement reconnue. Une énergie qui vient de l'électrodynamique quantique. Le problème qu'on a, c'est que souvent les gens pensent qu'on peut passer de là à l'un de ces six pôles que vous voyez ici. Alors ça, la physique vous l'interdit. Elle l'interdit pour deux raisons. Parce qu'on sait que cette énergie du vide est infinie. Donc imaginez ce qui se passerait si vous donniez une source d'énergie infinie à des militaires. Imaginez. L'énergie est gratuite, ne coûte rien, elle est en quantité infinie. Prenez un général, 5 étoiles, qu'est-ce qu'il va faire? Donc ça, la nature l'a prévu. Et c'est pour ça que cette énergie existe, mais vous ne pouvez pas l'exploiter. C'est réservé à la mécanique quantique. Et la seule façon que vous pouvez sentir cette énergie, c'est bien un phénomène qui s'appelle la radioactivité. C'est elle qui est responsable de l'instabilité des noyaux et qui va donner l'énergie nucléaire. Et une fois que vous avez l'énergie nucléaire, c'est elle qui va générer tous les autres types d'énergie qu'on connaît en physique. Donc très rapidement, vous avez l'énergie thermique, ça c'est la chaleur. L'énergie chimique, c'est celle qui fait que notre goutte d'eau est ronde, je vous en ai parlé. L'énergie mécanique, ça vous connaissez bien, c'est tout le travail, le moteur, la vitesse. L'énergie gravitationnelle, ça vient du fait que vous vivez sur une planète qui a une certaine masse et un certain rayon. Et cette masse vous attire vers le centre. Vous n'y pouvez rien. Si vous voulez échapper, il faut quitter la Terre. Donc vous connaissez, c'est le fameux 981 mètres par seconde au carré. Vous pouvez avoir de l'énergie électrique et de l'énergie lumineuse. Et c'est en ce sens que la physique, vous ne devez pas l'avoir comme quelque chose de compliqué, puisque tout est là. Si vous voyez un phénomène dans la nature, forcément, il fera appel à un de ces sept pôles. L'énergie du vide étant toujours en arrière-plan, et jamais accessible. Mais c'est elle qui, finalement, gouverne toutes ces choses. Là, vous pouvez, via les flèches, vous voyez, vous connaissez très bien, des objets de la vie de tous les jours qui permettent de manipuler l'énergie. Vous avez tout à fait le droit de jouer dans tous ces pôles, de transformer une énergie en l'autre. C'est tout le jeu de la technologie, de fabriquer des machines qui font ça. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de passer directement de là à l'un de ces six pôles. Ça, la physique vous l'interdit. Ça s'appelle le second principe de la thermodynamique. Il est là pour vous protéger contre les généraux 5 étoiles qui auraient accès à une source d'énergie infinie. Bon, évidemment, je schématise. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il n'existe que 7 formes d'énergie exploitable. Pas plus. Pas moins non plus. On peut jouer sur toutes ces formes. Pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est que le joule, ici j'ai pris une définition assez qui m'est propre, mais que j'aime bien parce qu'elle se réfère à nous-mêmes. Un joule, c'est l'énergie dégagée en 0,10 microsecondes par un adulte au repos. Vous êtes sur votre lit, vous ne pensez à rien, vous ne faites à rien. Tac ! En 10 microsecondes, vous allez dépenser un joule. C'est ça. Donc vous voyez, c'est une énergie qui nous correspond macroscopiquement. C'est une énergie relativement importante. Et là, elle est due évidemment au métabolisme. Alors, une autre chose qui est importante avec l'énergie, vous voyez, partout j'ai mis des deltas. Alors, delta, c'est la lettre grecque pour dire différence. Ça, c'est un autre point qui est important à comprendre avec l'énergie. Vous n'avez pas accès à l'énergie en soi. Tout ce que vous avez accès, c'est à une différence d'énergie. C'est-à-dire que quand vous allez mettre en œuvre une machine, vous allez partir d'un état d'énergie, aller vers un autre état d'énergie, ce que vous exploitez, c'est la différence. En aucun cas, vous pouvez exploiter la valeur absolue. C'est-à-dire que la machine, au départ, soit là, là, là ou là, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça, c'est une loi fondamentale de la physique, que la notion d'énergie ne définit qu'à une constante près. C'est la fameuse énergie du vide. On peut toujours, quand on fait des différences, elle est toujours la même, elle disparaît systématiquement. Donc ça, c'est bien important à comprendre que l'énergie en soi n'existe pas. Elle existe dans l'absolu,
dans notre tête, mais dans la pratique, on ne mesure toujours que des différences d'énergie entre deux états. Voilà, c'est tout ce que je vous demanderai comme effort intellectuel physique. Ça devrait aller. Alors ensuite, on a la chance de vivre une belle époque. On va sur Mars, et ici, je vais vous montrer ce que fait une goutte d'eau quand elle tombe, mais avec une caméra ultra haute vitesse. C'est-à-dire, pas la caméra qu'a Rudolf, mais la caméra qui va très très vite. Et donc ici, vous voyez les images que... Non, ça, c'est pas encore les images vitesse, ça, c'est juste quelques images qui vous montrent qu'est-ce qu'on... Les images fixes qu'on voit, ça, c'est des caméras fixes. Donc, il y en a certaines qui sont très belles. Enfin, moi, je les trouve très belles. Savoir que tout ça, c'est pas compliqué. C'est juste une goutte d'eau qui tombe. Et ce qu'on a analysé, c'est qu'est-ce qu'il y a comme phénomène. Alors voilà les trois choses que je pense que vous avez tous remarquées quand vous faites tomber une goutte. Si vous regardez par en dessous, vous verrez qu'il y a une cavité qui se creuse tout au début. L'eau s'ouvre quand la goutte arrive. Ensuite, il y a cette jolie couronne qui peut se former. Une couronne ducale. Vous connaissez les écussons, vous savez, les ducs ont des couronnes comme ça avec des pointes au bout. C'est ça, avec ça qu'on reconnaît un duc. Donc l'eau adopte la couronne ducale. Il faut comporter le fluide. Vous voyez ici, on a mis un fluide bien visqueux pour qu'on voit bien la couronne. Cette couronne est plus ou moins définie. Et la dernière chose que vous voyez, c'est cette magnifique image, donc ce qu'on appelle le jet de Rayleigh. C'est-à-dire qu'une fois que la goutte a fini de tomber, on a un jet qui apparaît au centre, avec ici ce qu'on appelle des ondes capillaires. Les ondes capillaires, c'est pas juste, c'est les ondulations que vous voyez sur le sol. Donc ça, ce sont les trois phénomènes que vous pouvez observer. Des phénomènes. Donc vous regardez bien. Là, ça va très lentement. On est à 5000 images par seconde, et évidemment, on a ralenti pour que vous voyez ce qui se passe. Donc vous voyez, ça, on a vu la couronne. Maintenant, vous voyez que toute la couronne, c'est la cavité s'effondre, et on voit très bien le jet de Rayleigh qui se forme et qui se scinde ici. Lorsqu'il devient suffisamment gros, c'est lui qui génère les petites gouttes. La goutte qu'on voit au sommet du jet. Et puis après, bon, bah, ce jet va s'effondrer à son tour sous la gravité. Et on va revenir, on retrouve ici là, ce qu'on appelle l'instabilité de Rayleigh plateau. Et puis la goutte, là, la caméra avait un champ de vision un petit peu trop restreint, vous allez la voir apparaître, qu'elle est allée très haut en fait, et elle va revenir. Là voilà. Et le phénomène va recommencer, parce qu'on a une nouvelle goutte qui tombe. Puis ça va faire comme ça. Si vous voulez regarder ça, faites tomber de l'eau dans une bassine. C'est exactement ça. Sauf que là, on le voit à une vitesse extrêmement lente. Alors, quand on est des scientifiques, on va lister. Vous savez que les scientifiques ont une sale manie, c'est qu'ils veulent tout contrôler. Comment on va contrôler ça? Le phénomène, bah, je vous ai mis ici les principaux paramètres sur lesquels on peut jouer dans cette expérience. La température, évidemment, vous est limitée entre 0 et 100 degrés pour l'eau. La densité, avec le fluide le plus dense qu'on connaisse, qui est le mercure, 14 grammes par centimètre cube, donc on ne peut pas aller au-delà. La notion de viscosité, ça, vous savez tout ce que c'est, hein, c'est quand vous voyez une bouteille clé et une bouteille d'eau, ça ne coule pas à la même vitesse. On parle de viscosité. Donc ça, il y a l'unité qui est le millipascal seconde. Les moins visqueux sont à 0,2, les plus visqueux à 200. La tension superficielle, on en a déjà parlé, c'est l'énergie interfaciale, celle qui fait que les gouttes sont rondes. Le diamètre des gouttes, vous pouvez faire des grosses gouttes, vous pouvez faire des petites gouttes. La vitesse d'impact, où je voulais lancer de là, vous pouvez laisser tomber de l'eau, ça va faire changer la vitesse d'impact, et finalement la profondeur de la cuvette. Bon, j'ai été généreux, je suis allé jusqu'à 11 km. Pourquoi? Parce que c'est sur Terre, c'est l'endroit le plus profond qu'on connaisse dans l'eau. C'est la fosse des Mariannes, quelque part du côté du Japon, 11 000 mètres de profondeur. On ne sait pas faire plus. Donc qu'est-ce qui se passe quand je passe une goutte d'eau au-dessus de la fosse des Mariannes? C'est un paramètre. Je peux faire varier. Donc ça, c'est les paramètres de contrôle, c'est-à-dire que c'est vous qui allez fixer tout ça. Et la nature va vous répondre par des images. Et après, il faut analyser ce qui se passe. C'est le rôle du scientifique. Donc ici, je vous ai mis les valeurs typiques quand vous faites l'expérience avec de l'eau.
Donc l'eau a une densité de 1 g par cm cube, une viscosité de 1 millipascal seconde, une tension superficielle de 72 millijoules par mètre carré. Une goutte, c'est typiquement de l'ordre du millimètre. Bon là j'ai pris 2,6 mm parce que je vais être quantitatif pour que vous voyez les problèmes. Mais on pourrait prendre une autre valeur, et ça correspond à une vitesse de 5 mètres par seconde, vitesse d'impact, quand la goutte arrive à la surface de l'eau. Donc on va prendre ce cas particulier, regardez ce qui se passe énergétique. Alors, on se met au début de l'expérience, voilà une image que j'aime bien. Si vous regardez de façon attentive une goutte d'eau qui se détache d'un robinet ou d'une pipette, ça prend cette forme-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la goutte se détache. Bon, et puis là, ça c'est un clin d'œil pour mon ami à nos niveaux. J'ai mis la planète dans la goutte, parce que vous savez que l'eau est très importante pour la planète. Donc là, on est au tout début, la goutte se détache. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan énergétique? Alors vous allez retrouver à chaque fois les petits trucs comme ça, vous pouvez suivre avec le schéma. Donc là, on a ce qu'on appelle de l'énergie gravitationnelle. On est à une certaine hauteur, au-dessus de la surface de l'eau. Donc là, cette hauteur, elle est de 127 cm au-dessus de l'eau. Donc ça, ça correspond à une énergie de 115 microjoules. C'est le début. C'est ce qu'on vous donne au début. Ensuite, en énergie chimique, la goutte, comme vous le voyez, est ronde. Donc ça, ça veut dire qu'il y a une interface eau-gaz. Et ça, ça a un coût énergétique. On peut l'évaluer en connaissant la surface de la sphère. Ça fait 1,5 microjoules, mais avec un signe moins. Pourquoi un signe moins? Ça, c'est un problème avec l'énergie, c'est qu'il faut, comme c'est des deltas, on peut ajouter ou retrancher d'énergie. Ici, quand je mets un signe moins, ça veut dire que cette énergie, j'ai dû la dépenser. Pour créer la sphère, il faut dépenser d'énergie. Alors que, quand la goutte se détache de la pipette, ça, ça ne coûte rien. C'est une énergie qui vous est donnée par la gravitation. C'est pour ça que je mets un signe plus pour l'une et moins pour l'autre. La gravitation me donne 115, et le fait de créer une sphère me coûte 1,5. Mais comme vous savez tout, ça fonctionne comme de l'argent. Il faut payer. Pour ça, je mets un signe moins sur l'énergie internationale pour dire qu'il a fallu dépenser ça. Mais vous voyez que c'est bon, parce que ça, c'est tout petit par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a encore quand même de l'argent pour pouvoir travailler. Ensuite, l'énergie mécanique, c'est simple, c'est qu'au tout début, c'est zéro, la vitesse est nulle. Donc comme l'énergie mécanique, comme vous le voyez, c'est en fonction de la vitesse, si la vitesse est nulle, ça veut dire que l'énergie est nulle. L'énergie lumineuse, eh ben, c'est facile, est-ce que la goutte émet de la lumière? Regardez une goutte d'eau qui tombe, est-ce que vous pouvez vous éclairer avec ça? Ben non, il n'y a pas de lumière émise, donc ça veut dire que la fréquence est nulle, donc il n'y a pas d'énergie lumineuse. Si vous ne mettez pas la goutte sous tension dans un condensateur, il n'y a pas d'énergie électrique. On ne peut pas considérer ça. Est-ce que la goutte est radioactive? Vous allez me dire non. Si! N'oubliez pas qu'il existe un isotope de l'hydrogène, qui est le tritium. Je pourrais très bien faire tomber une goutte de T2O. Dans aucun cas, j'aurais un terme de radioactivité. Mais là, je vais être sage. Je ne vais pas aller dans l'énergie du vide, qui est responsable de la désintégration du tritium. Je vais rester avec H2O, qui, elle, n'est pas radioactive. Donc ce terme, je l'oublie. Et puis, bah ça ne dégage pas de chaleur quand la goutte se détache. Pour mettre un thermomètre, la température de l'eau reste la même, donc il n'y a pas d'énergie thermique. Et vous voyez, je n'ai à considérer que les 7 choses, pas plus. J'ai fait le bilan. Donc dans ce début d'expérience, ce que je sais, c'est que je n'ai que deux énergies en compétition, la gravitation. Alors j'additionne. Ça me donne ma quantité d'énergie initiale. Et ici, il faut que je vous parle d'une loi de la physique, qui s'appelle le principe de conservation de l'énergie. Alors cette loi, on peut la résumer de beaucoup de façons. Moi j'ai une façon un petit peu originale de voir ce problème-là, via une mathématicienne qui s'appelle Amy Noether. Pourquoi? Parce que je trouve assez remarquable, on pense toujours que les mathématiciens sont des hommes. Ben non, il y a des femmes qui savent faire de très bonnes mathématiques. Et celle que vous voyez ici était une des meilleures mathématiciennes, elle a dépassé même tous les mathématiciens de son époque, en nous expliquant l'origine de la conservation de l'énergie. Elle a démontré un théorème très puissant, c'est que si vous voulez que l'énergie soit conservée, il faut que vous ayez une opération de symétrie combinée à un principe de relativité qui s'applique ici à la notion de temps. C'est-à-dire que l'énergie est conservée tout simplement parce que lorsque vous translatez dans le temps,
les phénomènes restent les mêmes. Si les phénomènes restent les mêmes quand vous attendez pour faire vos expériences, l'énergie sera forcément conservée. C'est ce que nous a appris les minotaires. Alors pourquoi je parle de ce principe? Eh bien, à cause de ça, c'est que si vous mettez à la torture, et vous expliquerez comment torturer les gens avec des gouttes d'eau, les gouttes d'eau, ça peut être extrêmement méchant. Si vous me soumettez à la torture, je préférerais mourir que de renoncer à ce principe de conservation de l'énergie. Parce qu'il est inscrit dans la physique, et si je renonce à ça, je renonce à tout. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. L'énergie est toujours conservée, mais je parle bien de l'énergie totale. C'est la celle que vous sommez en faisant les sept qu'on a vues. Celle-là, elle ne peut pas changer. C'est une loi inviolable de la physique, enfin jusqu'à ce jour. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a besoin. Maintenant, la goutte, elle est tombée. Vous voyez, elle arrive juste à la surface. Là, elle n'a pas encore pris en contact. On est juste au point de contact avec l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez, j'ai presque plus d'énergie gravitationnelle parce que ce que j'ai perdu, le 1,27 m de hauteur. Cette énergie, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ben, l'énergie chimique, on voit que la goutte est toujours sphérique, elle a toujours la même taille, donc elle n'a pas changé. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que la goutte a acquis une certaine vitesse. Donc, elle a pris de l'énergie mécanique. Comment on peut connaître cette vitesse? Eh bien, on applique le principe de conservation de l'énergie. C'est-à-dire qu'on dit que la somme de toutes ces trois énergies doit être égale à ma quantité initiale, 113,5. C'est de là que je tire ma vitesse de 5 mètres par seconde, que je peux mesurer par ailleurs. Voilà. Vous voyez la cavité? Ça, c'est une goutte d'eau qui tombe. Quand on regarde par-dessous, on voit une cavité qui s'écroule. Comment on va analyser ce phénomène? Eh bien, on va l'analyser de façon suivante. On va regarder en fonction du temps la profondeur du cratère. Donc ça, on peut d'une part le mesurer, c'est ce que vous voyez ici, c'est les ronds, et d'autre part, faire des modèles, c'est la courbe qui est ici en trait plat. Et vous voyez qu'on sait très bien reproduire les observations expérimentales. Donc qu'est-ce que nous montre cette courbe? Qu'au cours du temps, eh bien, le cratère se creuse. Vous voyez, au départ, je n'ai pas de cratère, et puis il devient de plus en plus profond. J'atteins une valeur maximale qui est ici de 2,5 cm d'épaisseur pour mon cratère. Et puis ensuite, il se referme, il s'effondre. C'est ce qu'on peut voir comme ça. Alors, ceci, bon, c'est une expérience banale. Vous avez vu le cratère qui s'ouvre. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, regardez, ici, vous avez les millisecondes. Les millisecondes, c'est quand même rapide. Donc si vous convertissez tout ça, pour vous donner l'ordre de grandeur, quand vous avez la cavité ici, la première phase est supersonique. Elle dure en fait 3,3 nanosecondes avant même qu'on ait le temps de faire les mesures. L'énergie est négligeable. Par contre, regardez la pression que vous générez sur l'eau. 420 atmosphères. Une goutte d'eau qui tombe de 1,27 m sur une plaque d'eau génère tout de suite, au premier contact, 420 atmosphères. Il y a 420 fois la pression atmosphérique. Et c'est une phase qui est supersonique, c'est-à-dire que la vitesse à laquelle ce cratère se forme est supérieure à la vitesse du son. Tout de suite. C'est très très rapide. Quelques nanosecondes. La deuxième phase que vous voyez ici, elle est plus lente, comme vous voyez, elle s'écoule en millisecondes. Mais si vous regardez les pentes des courbes, ça correspond à une vitesse d'expansion du cratère de 444 km/h. Quelque chose qui va à 444 km/h, un TGV. C'est une vitesse qu'on peut atteindre le TGV. C'est-à-dire que le cratère se forme à la vitesse d'un TGV. Alors vous allez maintenant comprendre, vous voyez que la pression elle reste extrêmement forte, vous allez comprendre une phrase qu'aiment bien prononcer les philosophes chinois. Goutte à goutte, l'eau creuse la pierre. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'avec des pressions de cet ordre-là, le fait de faire tomber une goutte d'eau toujours au même endroit pendant très longtemps va aller faire un trou énorme, même dans le matériau le plus dur. Parce que 420 atmosphères, c'est terrible. Et c'est là où j'en reviens à mon pauvre prisonnier que vous voulez torturer avec de l'eau. Vous l'allongez, vous l'attachez, évidemment. Le béaba de la torture, attaché à la personne. Et ensuite, vous lui faites tomber à cet endroit-là, goutte à goutte,
pendant des heures une goutte. Ben, la personne craque en général au bout de 30 minutes. Parce que 400 mètres atmosphères sur le crâne toutes les secondes. Personne ne résiste à ça. Ça, c'est la puissance d'une goutte d'eau. Évidemment, cette puissance, elle ne vous apparaît pas quand on regarde ça, elle vous apparaît quand vous avez les chiffres. C'est-à-dire quand vous faites l'analyse énergétique du phénomène. Bon, voilà, déjà quelque chose d'intéressant, vous savez comment torturer les gens de façon efficace. Non, mais on apprend tout à Toulouse. Hein, c'est ça. Alors, si on fait une analyse plus détaillée, ça, sur ça, les scientifiques sont très bons là-dedans. Vous voyez, on modélise, on dit il y a une cavité, il y a une onde capillaire, il y a une couronne. Tout ça, on va évaluer les énergies. Donc ça, par contre, c'est le côté difficile de la physique. C'est-à-dire que c'est des équations, c'est des formules. Moi, je vais juste vous donner les résultats. On y va. Donc, notre cratère, ici, il fait à peu près 6,9 mm de profondeur, de là à là. Et, de rayon, et ici, il fait à peu près 4,5 mm de profondeur. Alors, on reprend nos pôles. L'énergie mécanique, eh bien, c'est la phase supersonique, c'est-à-dire que quand la goutte tombe sur la surface, instantanément elle s'arrête. Paf ! C'est ça qui fait le bang supersonique. Donc il n'y a pas d'énergie mécanique. La vitesse est nulle. Il y a de l'énergie gravitationnelle, vous voyez pourquoi ? Parce qu'il faut que la couronne s'élève, et vous savez tous que quand vous devez vous élever, c'est dur, on lutte contre la gravitation. Et il y a aussi l'onde capillaire qui ondule, donc ça coûte aussi l'énergie gravitationnelle. Vous avez les chiffres ici, 17 microjoules pour créer la cavité et 1,9 microjoules pour l'onde capillaire. L'énergie chimique, c'est tout ce qui concerne l'interface RO. Vous voyez que là, il y en a beaucoup plus, parce qu'on a l'interface au niveau de l'onde, au niveau de la couronne, au niveau de la cavité. Donc voilà les contributions qui ont été calculées. Et puis, comme toujours, quand vous avez des forces chimiques, il y a de la chaleur qui peut se dégager. Et là, lorsqu'on analyse l'énergie thermique, la chaleur qui est dispersée quand la goutte arrive dans le liquide, on trouve une énergie totale de 0,34 microjoules. Donc vous voyez qu'en fait, je suis passé maintenant à 4 pôles énergétiques pour analyser mon phénomène. Je n'ai toujours pas mis l'énergie nucléaire et l'énergie lumineuse parce que ceci ne correspond pas à ce qu'on observe. Voilà, donc si vous avez compris ce que je vous ai dit, l'idée c'est de faire la somme de tout ça. Parce qu'il est conservé. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, il y a un problème. 47% de l'énergie disponible, c'est volatilisé. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Intolérable! Ça ne peut pas être vrai. L'énergie est forcément conservée, elle est forcément passée quelque part. Et pourtant, on a fait des calculs, je peux vous dire. Ben on en a loupé 47%. Vous voyez qu'on n'est pas bon. On peut faire des calculs très précis et se tromper. Puis c'est pas une erreur. Oui, alors vous voyez, on n'est vraiment pas content. Alors, première chose, on fait des mesures. Qui dit mesure dit erreur expérimentale. Donc ça, c'est facile à quantifier. On a fait des approximations, on a fait des trucs. Tout ça, ça vaut 6 microjoules. On a pu se tromper au maximum de 6 microjoules. Ben, vous voyez qu'on n'a toujours pas les 59 qui manquent. Bon, so what? Ben on va mettre un compteur GGR. Peut-être que j'ai fait de la radioactivité. Bah oui, fusion froide. Pourquoi pas? Ah, compteur GGR, silencieux. Donc ça veut dire que je n'ai pas créé de l'énergie nucléaire. Sans douter. Je mets une cellule photoélectrique très sensible. Peut-être qu'il y a de la lumière. Les biophotons de porc, tout ça. Peut-être. Ah, la cellule photoélectrique hypersensible, rien. Donc, je n'ai pas fait de lumière. Je peux mettre des électrodes. Bon, t'as un champ électrique. Ah ! Là, il se passe quelque chose. C'est qu'effectivement, on va s'apercevoir qu'il y a de l'électricité qui est générée. Ah ! Cette électricité, vous voyez, elle n'apparaissait pas dans le bilan. C'est peut-être elle qui est responsable de notre erreur. On a oublié l'électricité. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Une goutte d'eau neutre qui tombe sur une surface neutre qui génère du courant. On a là une source d'énergie géniale. Ben en fait, oui, et vous le savez tous, juste une petite image pour vous indiquer comment vous pouvez le savoir sans faire de manette d'électrode, allez simplement au bord d'une cascade. Quel est le phénomène naturel qui produit le plus de gouttes dans le minimum de temps? Une cascade.
Qu'est-ce que vous sentez quand vous êtes au bord d'une caisse, hein? Un bien-être. Tout le monde se trouve bien quand on a des gouttes qui vous arrivent comme ça, surtout si la cascade est très élevée. Ça, vous le savez tous. Alors, comme vous le savez tous, les scientifiques sont toujours un peu balourds, c'est qu'ils vont faire des mesures. Vous allez mesurer avec une cascade, qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez, ici, on trouve des choses, effectivement, que l'air est chargé électriquement pour venir avec une cascade, alors que l'air est neutre sur la route. Donc, il y a bien une création d'électricité quand vous êtes, quand vous faites des gouttes d'eau. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a plus de gouttes négatives que de gouttes positives. C'est la fameuse ions négatifs que vous récupérez quand vous allez sur la cascade. Ça, ça a été mesuré, de toute façon, vous voyez, c'est très récent, 2007, parce qu'on veut être sûr que c'est fait de manière. On a pu faire les mesures, ça correspond à des charges qui sont très faibles, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses, mais ces charges électriques existent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va les intégrer dans le bilan. On sait, vous voyez, qu'on peut créer au maximum une cinquantaine de gouttes. On va dire que ces gouttes, c'est à peu près 0,4 mm, ça va développer une surface, une charge totale de 0,335 picocoulombs, ce qui fait 1,4 nanojoules. Si je suis un petit peu, les gouttes un peu plus grosses, je double, je multiplie par 10 le diamètre, je vais passer à 1,4 microjoules. Je vous rappelle qu'il m'en manque 60. Mais là, je suis en train de peigner la girafe. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a de l'électricité, mais ce n'est pas ça qui va m'expliquer mon déficit de 60. Bon, donc je vous fais un petit bilan pour ceux qui seraient déjà perdus. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'on n'avait pas d'énergie nucléaire, pas d'énergie lumineuse. J'avais bien de l'énergie électrique, mais elle était négligeable. Donc on revient sur ces 4 ans. On s'est trompé là-dedans, forcément, de quelque chose. Alors, vous allez dire, mais comment on va faire? Ah, ben là, je vais vous donner un autre grand truc de la physique. On va faire ce qu'on appelle des nombres sans dimension. Pourquoi? Ben parce que quand vous pensez en termes d'énergie, c'est toujours perturbant, parce que l'énergie que j'ai choisie dépend de la taille de la goutte. Alors, ça, on peut le faire varier. Donc, plutôt que de regarder l'énergie, on va faire des rapports d'énergie. Alors, on y va. Par exemple, on va introduire ce qu'on appelle le nombre de Froude. Ça consiste tout simplement à comparer l'énergie mécanique et l'énergie gravitationnelle. On fait l'énergie mécanique de la goutte, l'énergie gravitationnelle, et vous voyez, on obtient un nombre qui n'a pas de dimension, puisque j'ai divisé une énergie par une énergie, un nombre pur, qui vaut ici 1960. Presque 2009, hein. Mais bon, 1960. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce chiffre? Est-ce qu'il vous semble gros ou petit? Donc quand vous avez un gros chiffre comme ça, vous savez que le phénomène existe, mais ce n'est pas lui qui est terrible. Il n'est pas très prépondérant. Alors on peut faire autre chose, on peut comparer l'énergie mécanique et l'énergie thermique, par exemple. Ça va nous donner un nouveau nombre, qui est le nombre de Reynolds. Alors lui, il est encore plus grand. 6500. Donc qu'est-ce que vous en déduisez? On ne va pas chercher dans ce côté-là, parce que c'est encore plus petit que l'énergie gravitationnelle. Par contre, c'est un nombre qui est intéressant, parce qu'il vous permet de savoir si vous êtes ce qu'on appelle un régime turbulent ou un régime laminaire. Quand vous êtes en dessous de 3000, vous avez ce qu'on appelle un régime laminaire, c'est le régime que vous connaissez bien, c'est l'eau calme qui s'écoule lentement. Dès que vous êtes au-dessus de 3000, vous avez création de vortex. C'est la transition. Donc là, vous savez déjà qu'à 6500, il y a des vortex qui ont été créés quand la goutte d'eau est tombée. Forcément, il y a de la turbulence, on ne peut pas y échapper. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ces nombres étant très grands, ce n'est pas eux qui vont nous intéresser beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut négliger ça, et on peut négliger ça. Donc qu'est-ce qui reste? Je vous rappelle qu'on n'avait que 4 pôles, donc il nous reste à comparer l'énergie mécanique et l'énergie chimique. De nouveau, on fait le rapport entre les deux, on trouve un nouveau nombre, qui est le nombre de Weber, qui lui est à 450. Vous voyez, c'est bien des 3 nombres le plus petit. Donc c'est celui qui va donner probablement la source de l'erreur. Si on se trompe sur ce nombre-là, ça fera tout de suite un gros truc. Donc c'est là où il faut chercher. Alors on fait les mesures. Ça a été fait, vous voyez. On fait varier ici, on regarde comment varier la qualité en fonction du nombre de Weber. On voit très bien que le nombre de Weber, c'est ce qui contrôle la taille de la cavité. C'est donc un nombre très important. Si ce nombre n'avait pas été important, qu'est-ce qu'on aurait obtenu? On aurait obtenu une droite plate.
Le fait que ça varie veut dire que ce nombre est significatif pour le phénomène que je suis en train d'analyser. Et comme ce nombre se reflète à l'énergie chimique, mon problème vient de l'énergie chimique. C'est là où j'ai fait une erreur. Alors on le voit ici très bien, lorsqu'on regarde le déficit énergétique, c'est-à-dire ce qui nous manque, on voit que ce qui nous manque dépend bien du nombre de Weber. Donc c'est ça la source de notre problème. Vous voyez comme quoi le physicien raisonne ? Avec ces nombres sans dimension, je suis capable de dire « voilà le coupable ». Oui, mais est-ce que ça nous donne la solution ? Ben, il suffit maintenant d'aller revenir sur l'expérience. Qu'est-ce qu'on a négligé ? Alors là, je vais remettre le son. J'espère qu'on l'entendra ce coup-ci. Voilà, l'expérience. Vous entendez ? Est-ce qu'on a pris en compte ça ? Non ? À aucun moment on a dit, mais ça fait du bruit. C'est tout bête. Alors, voilà le problème. Je vous pose la question. Le bruit que vous l'entendez tous, en milieu qui fuit, c'est terrible. C'est un second moyen de torture. Si vous ne voulez pas mettre sur le front parce que vous êtes trop sensible, attachez votre prisonnier, faites-lui écouter de l'eau qui goûte. C'est terrible. Le bruit vient-il de la qualité d'un courant ou d'un capillaire ? Qu'est-ce qui provoque ce bruit ? Ben, si vous avez compris ce que je vous ai dit, si vous avez suivi, c'est forcément par ce chose-là ce qu'on a déjà calculé. C'est quelque chose de nouveau qui a été négligé. Et cette chose nouvelle, on la connaît bien, c'est les bulles d'air. Les bulles d'air. On est en régime turbulent. Nombre de Reynolds supérieur à 6500. Donc, turbulence, donc création de bulles d'air. J'arrête là. Petit clin d'œil pour détendre l'atmosphère. Vous voyez ? J'ai trouvé mon coupable, les bulles d'air, bien sûr. Tout le monde sait que c'est ça le problème. Et vous voyez très bien ici, regardez, quand vous faites tomber la goutte, vous voyez, moins 3 millisecondes. 0 millisecondes de contact, 2 millisecondes, 6 et 1, 4. Regardez ça, c'est un hydrophone, qu'est-ce qui se passe ? C'est silencieux, on n'entend rien. La petite bulle se détache ici, vous voyez, c'est le petit point noir, qu'est-ce qui se passe ? L'hydrophone se met à réagir. Donc on sait que le son que vous entendez provient des bulles d'air. Et évidemment, ces bulles d'air, c'est une interface au gaz, dont de l'énergie chimique, et c'est elle, évidemment, qui nous manque dans notre bilan. Donc ça, c'est... On avait oublié les bulles d'air. Ouf, on respire. Donc ça, ces bulles viennent évidemment de la turbulence. On est avec un nombre Reynolds de 6500, donc il y a des vortex qui vont créer des bulles, et on peut montrer que 240 bulles de diamètre 1 mm suffisent largement à expliquer le déficit. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est là où se trouve notre énergie manquante. Alors, pour ceux qui sont un peu musiciens, il faut savoir qu'on peut relier la taille de la bulle à la fréquence que vous entendez. Et la relation est très simple, pour ça je vous la donne. 3,3 kHz millimètre. C'est-à-dire que pour une oreille humaine, qui est sensible dans la gamme 20-20 kHz, ça veut dire que quand vous entendez de l'eau qui coule, les bulles qui vous parlent ont un diamètre minimal de 0,1 mm, un diamètre maximal de 17 cm. Cette fréquence augmente quand la bulle s'approche de la surface. Ça, vous pouvez le vérifier avec du champagne. Regardez, si vous écoutez bien une bulle de champagne, quand elle est au fond du verre et qu'elle se rapproche de la surface, le son qu'elle émet monte en fréquence. Donc ça, c'est amusant. Par contre, c'est très très difficile à calculer. Alors c'est ça qui est responsable du bruit de la pluie. Quand vous entendez le bruit de la pluie, vous avez des bulles de 0,2 mm qui vous parlent. Donc c'est très très difficile à calculer. Vous voyez, ça a été calculé uniquement en août 2009. Il y a 2 mois. Non, même pas. C'est un son non naturel qui est produit par une machine. Et pour ça, il vous faut des calculateurs extrêmement puissants. Ça, c'est le bruit, quelque chose qui tombe. Ça, c'est un robinet qui coule. Ça, c'est les ondes sonores qui sont dans l'air, que vous entendez par votre oreille. L'avantage de la science, c'est qu'on peut les utiliser. Ça, vous connaissez tous, c'est le ruisseau qui coule.
ces simulations datent du mois dernier. C'est-à-dire qu'avant août 2009, on ne savait pas créer ces bruits-là. Maintenant, dans le cinéma, vous allez les trouver. C'était le seul bruit qui, au cinéma, était encore naturel, le bruit de l'eau. Et bien maintenant, vous saurez que c'est plus naturel. On sait calculer ça, ça coûte très cher, mais ça marche. Voilà, ça, je vais passer rapidement, pour que je vous montre un petit peu qu'il y a des bulles silencieuses, il y a des bulles reproductives, des bulles, enfin tout ça, c'est... Si vous êtes passionné par le bruit de la pluie, oui, je dis. Si vous êtes passionné, bon, Jean-Yves me fait signe que c'est terminé. Donc, on va arrêter là. J'aurais voulu vous parler du gène relais. Je vais vous en dire quelques mots en quelques secondes. Vous voyez, c'est le jet que vous créez quand vous avez la cavité qui s'effondre. Donc ça, ça peut s'analyser. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Je vais juste terminer peut-être. Avec ici, des gouttes et des ordres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gouttes? Eh bien, vous voyez, vous pouvez faire de la peinture, comme ça qu'on perd notre voiture. Vous pouvez faire des cosmétiques, pour mettre des gouttes dans les crèmes de beauté. Vous pouvez faire des imprimantes à jet d'encre. Vous pouvez faire des moteurs à injection, comme ça fonctionne notre DNA. C'est très important pour l'érosion des sols, 240 atmosphères. C'est comme ça que la Terre se fait, à partir des roches, via les gouttes. C'est ça qui permet à l'agriculture de fonctionner. Chaque fois que la pluie tombe, les graines sont dispersées. C'est ça qui disperse aussi les maladies. Chaque fois qu'il pleut, c'est une catastrophe. S'il y a des bactéries, elles sont dispersées. C'est aussi ce qui vous permet de traiter efficacement une culture via les pesticides. C'est ce qui vous permet de faire de très jolies croissances cristallines, qu'on appelle les stalactites et les stalagmites. Et c'est aussi ce qui vous permet de vous laver et de vous décaper. Donc la prochaine fois que vous prendrez une douche, réfléchissez à la goutte d'eau. Quelque chose qui est vraiment très puissant. Et il vous faut le regard scientifique pour pouvoir comprendre l'origine de cette puissance. Si vous n'avez pas ce regard scientifique, si vous restez juste artiste, vous faites des belles choses, mais il vous manque quand même un aspect important de la réalité. Voilà, je vous remercie et on se retrouve à la prochaine.